Ok, test son du jeu. Et de ma voix. Ok, c'est bon. Tu peux arrêter de viser. Stop. Ah, viser. C'est bon. Bienvenue pour la suite de Dead Space 1. It's been a long time depuis la dernière fois sur Dead Space 1. Et les commandes sont vachement plus dures que le 3. Donc la dernière fois, je ne me rappelle plus trop ce qu'on faisait. Donc, ah oui, après. Rame intra-vaisseau initialisé. Les rames sont opérationnelles. Trame en approche de Flight Deck Station. Antenne levée. Ça, c'est bien. Parfait, on est à bord, vers la passerelle. Bien joué. Étrange. La quarantaine semble levée. Notre comité d'accueil a dû partir, et tant mieux pour nous. Isaac, revenez au Kélion et préparez le départ. On inspecte la passerelle et on vous retrouve là-bas. Si on est encore en vie. Vous êtes suicidaire, Hammond. C'est de la folie, on va tous mourir ici. Votre manque de confiance envers moi est bien enregistré, Daniels. Mais j'ai une mission à accomplir et c'est exactement ce que je vais faire, avec ou sans votre aide. Est-ce que c'est bien compris? Sortez-nous d'ici vivants. Oh putain, pourquoi ça va te faire ça? Je suis que l'ingénieur. Ok. Ça va, je suis plutôt tranquille là. Ok, là je suis plus tranquille en fait. Munition. J'ai pas encore la stase, fais chier. Les ascenseurs. Ok, ça reprend. Les affaires vont reprendre. Hey, one shot. Go. Allez! Ah, on revient au premier départ. Isaac, on est à la passerelle. C'est un vrai cauchemar. Ils sont tous morts. On va chercher l'ordinateur principal. A plus tard. Save station!
Oula oula, j'ai vu un truc ou c'est moi? Ouf 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 ouf. Ouf ouf. Ah là. Et ta mère, elle est pas belle. What the... Le biostyle détecté. Dommage externe. Oh merde, c'est pas vrai. Oh putain, oh putain. Je sais pas si c'est ça que je vais faire. Ah voilà mes amis. Collision détectée dans le hangar principal. Envoie une équipe d'urgence sur place. Ah putain. Oh putain, c'est quoi, c'est quoi? Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Et le vaisseau? Comment partir? C'était notre seul billet retour. Non, Hammond! Là, ça change vraiment tout! Mais taisez-vous! Oh, c'est pas difficile. Vous pouvez accéder aux commandes. Ça va pas. Les systèmes principaux sont bloqués aux employés de base. Sans l'autorisation des capitaines, aucun moyen d'y accéder. Bon, et où est-il? Le voilà. Capitaine Benjamin Mathius. Situation? En soin. Statut? Décédé. Quoi? Merde! Je n'ai pas accès à ces informations. Trouvons le capitaine et nous aurons ses rigs. Avec ses codes d'accès, oh, je pourrais pirater cet ordinateur. Bordel! Isaac, je vais renvoyer le tram vers votre position. Allez à l'infirmerie et trouvez ces codes le plus vite possible. C'était quoi? Donc on me dit par là et vu que je suis un peu con, je vais aller par là. Oh putain, des toilettes. On va aller là où il n'y a pas de sang. Oh putain, je commence à entendre des voix. J'aime pas du tout, putain. Allez. Ok, je prends ça et je... Okay, laissez-moi faire, s'il vous plaît, je suis vulnérable. Je suis vulnérable, ne vous en prenez pas à moi. Allez. Vulnérable, pitié. Pas le cutter, tu vois, ça je le garde, sinon j'ai pas d'armes. Je peux pas acheter une armure. Tenue niveau 2. Ah, y a pas la musique, hein, c'est nul. Ok, ça déconne plus maintenant. Isaac.
Clark dans la place. Je peux avoir niveau 3, non? Nouvelle arme? Arme d'assaut, je prends. Et ça aussi, je prends. Et ça fera l'affaire. Attendez, attendez, j'ai plus fini. L'icône d'arme rouge indique que votre arme n'est pas chargée. Inventaire. Oh. Tiens, je vais vendre un peu mon... Je vais les vendre. Et je prendrai des munitions, je les trouverai par terre, hein, je vais finir d'acheter des munitions. Ok. Ah merde. Attendez. On va faire ça autrement. Y'a pas une substation, donc là je fais tout en même temps. Ah bah tiens, je peux vous montrer aussi le workbench pour soigner. Le modification time. Alors on va commencer par le cutter. Ah mais j'avais déjà fait. Bon, arme d'assaut, capacité, ok. J'en ai un. On va pas dépenser ça ici. Rig, de l'air, de stase. Bon, on sait jamais pour plus tard. Ah. Station. Pitié. Bon, je ferai tout à la prochaine safe station. Donc là, oh j'ai des balles, c'est cool. Ouais, j'ai terminé l'épisode 1. Je vais vous sauvegarder, oui. Ah ben voilà, c'est la station. Ok. Oh putain. Are you alive? Chut, tout va bien, Malcoy. Il est là. Pas de quoi avoir peur. Je savais que tu viendrais. Tu m'avais promis. J'ai sauvé ça pour toi. Est-ce que je peux... Bonjour, wow. Coy, m'emmener. Déplacer des objets. Au vaisseau. Désolé. C'est pour ma sécurité que je ne fais pas. Excuse-moi, hein, c'est juste pour ma sécurité. Il n'y a pas autre chose, ça. Mon inventaire, il est plus grand maintenant. C'est mon bouclier. Ajouter des objets au stock. Oui, t'inquiète, c'est quoi? Je veux. Non, c'est pas, maintenant. Non. C'est mon pied. Vous êtes là? Ils nous ont trouvés. Kendra a disparu. À l'instant, elle était là et je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue. Il reste un espoir. Ramenez-moi les codes du capitaine et nous trouverons Nicole. L'équipage a dû barricader la porte menant aux urgences. Va falloir la faire sauter pour aller là-bas. Cherchez de la thermite dans la pharmacie. Et quelque chose comme un défibrillateur. Ça devrait être plus loin. Merde, je capte rien avec ces interférences. Ok, mais avant, sur station.
Ok, c'est parti mon chou. Donc si je me rappelle, là, il y a un truc spécial sur cette planète. Putain, arrête de me faire poroter comme ça. Pour toi. Are you alive? Chaque arme dispose d'un Oh non. Oh non, mauvais souvenir. Très très mauvais souvenir. Anomalie dangereuse détectée. Activation quarantaine. Position fétale sur le mur. Oh putain non, il y a une bonne situation. Ah on reste sur le côté, c'est le mieux pour l'instant. J'aime pas. Ouh, ouh. Ouh. Antenne levée. C'est bon à entendre. Quoi ? La tête là, elle me dégoûte. Putain, je dois aller par là. Attends, on va d'abord fouiller. Quelle malédiction peut bien causer tout ça? À mon avis, vous n'y êtes pas du tout, docteur. C'est l'œuvre de Dieu. Je n'en suis pas si sûr. Tous les problèmes rencontrés sur la colonie semblent être liés au monolithe. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, je sais. Le monolithe est glorieux et divin, vous. Jurgens a accepté de me montrer cette vidéo fournie par la colonie. Et ce que j'ai vu, mon Dieu, incroyable.
J'ai vu ces colons se transformer en des êtres absolument prodigieux, un vrai miracle. Prodigieux. En tant que fidèle de l'Église, je souhaite devenir l'un d'entre eux, mais le scientifique voudrait connaître leur secret. Je dois étudier un de ces nécromorphes, comme Guy nous les appelle. Oh putain, je l'avais. Je dois observer le processus d'infection. Pourquoi pas sur ce nouveau patient? Oh mon dieu, transplantation. Oh putain, j'avais oublié ça aussi. Hey, salut, ça va? Aidez-moi! Allez! Ok. Pourquoi les gens ils creusent toujours quand j'arrive? Est-ce que je porte la poisse? Bien, attends. Ah, ça compte pour moi, ça compte pour moi, ça compte pour moi! Bien, touche! Tout dans le bébé! Observation.